إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا بكم هنا بمركب محمد الخامس بمدينة البيضاء. هذه الندوة الصحفية قبل مباراة مرتقبة يوم غد، مباراة الإياب بين المنتخب الوطني المغربي ونظاره من جمهورية الكونغو الديمقراطية لرسم الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. إذا معنا سيد الناخب الوطني وحيد حمد مزيج واللاعب نيف أجرد لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. إذا نفتحوا المجال للحضور الكريم لطرح أسئلتهم. فقط تذكير إذا ممكن وضع الهاتف ديالكم سيلونسيو، وأيضا بالنسبة للأسئلة طرح سؤال بعجالة وتقديم الاسم والمنبر الذي تمثلنا. إذا تفضلوا رياض. Coach, bonjour. Résultat positif au match aller. On a vu des absences de certains joueurs qui peuvent faire une différence dès la première mi-temps. Malheureusement, on a vu des joueurs qui sont rentrés, mais ils ont fait la différence, comme Kaby, Tissou Dali. Il y avait un bon coaching. Donc pour le match de demain, est-ce qu'il y aura un changement de l'effectif et un petit message la veille de match pour le public marocain? Merci coach. Bonjour à tout le monde. Bah, vous savez, j'avais déjà parlé à la conférence de presse. Je compte beaucoup sur le 4 attaquants en ce moment qui joue en pleine forme, qui marque beaucoup. Youssef et Ryan, Ayoub et Tariq. Bah, au premier mi-temps, ils n'étaient pas à pleine forme de garçons. Pour ça, j'ai fait changement. Ce changement s'est montré très très efficace. Est-ce que je dois faire un petit peu avant? Peut-être. Peut-être. Mais à la fin, j'ai compris maintenant, je peux compter sur beaucoup de monde. Dans mon esprit, de cette équipe, j'ai déjà parlé. Ça, c'est force collective. Il y a aujourd'hui, dans le football moderne, vous savez, quand il y a possibilité, 5 joueurs, ça veut dire qu'il n'y a pas 11 joueurs titulaires. Il y a 15, 16 joueurs avec gardien. Et quand il prépare tactique, aux autres qui ne fait pas entre guillemets titre au départ, peut-être après, parce que vous savez, dans chaque préparation il y a une longue étude de notre adversaire, parce que j'ai le temps, ça m'arrive de regarder certains cassettes plusieurs fois et chaque petit détail, et de temps en temps au départ je vous en plus un type de jeu ça et après les autres. Mais de temps en temps ça ne se passe pas comme tu as prévu, parce que dans le football il y a imprévisible. Qui peut anticiper sur beaucoup de choses, mais pas sur tout. Pour ça, c'est les choses que les garçons qui ont entrés, ça a été presque préparé, je savais d'avant. Après, pour le message, j'ai déjà donné aux conférences de presse, j'ai parlé de l'Union Sacrée. L'équipe de Maroc de football, ils jouent un match historique. Qualification pour du monde, ça se fait toujours chaque 4 ans. On arrive de Congo avec un résultat positif, mais je n'étais pas content, on peut faire mieux dans notre jeu. Je dis franchement, mais on aurait pu même gagner avec ces pénalités et tout ça. Mais pour le match retour, on a plein d'ambition. Ça, c'est vraiment dommage qu'il rate cette occasion. Je sais ça, ils sont pleins, j'entends le environnement tellement derrière nous, comme ça, il y a des pressions énormes, surtout sur moi. Chez vous, c'est tout le monde sont sélectionnés. Tous vous connaissez mieux le football, l'équipe nationale, qu'on va y. Mais c'est comme ça, je ne peux pas tout. Le football, c'est ça. Pour ça, cette passion pour le football existe chez vous, chez moi, et tout ça, chacun son opinion. Moi, j'essaie avec mon staff préparer mieux, c'est possible, cette équipe.
Par là-bas, je ressentis. Ça, c'est aussi, si vous vous souvenez de mon discours, on besoin peut-être match extérieur, dans un terrain synthétique, ça ne nous convient pas. C'est troisième, ça ne nous convient pas. C'est beaucoup chaud. Chaleur, public, différentes hostilités, comme ça. On besoin cette équipe jaune pour apprendre ça. Peut-être certains ils ont un petit peu crispation, j'ai vu quelques ratés, quelques contrôles, passes, un petit peu manque encore, comme ça. C'est tout à fait normal. Et j'ai eu plusieurs discussions hier soir, j'ai eu une discussion individuelle, un contre un, avec certains garçons. Parler comme ça, on s'est bien compris. On prépare avec beaucoup de détermination, même le joueur introduisant parler comme ça, parce que certains garçons ne savent pas quelle ambiance il peut créer sur ce stade à côté. Moi, je le connais, il avait deux fois 100 000 spectateurs, cette ambiance est phénoménale. J'ai coaché Paris Saint-Germain à Marseille, c'est au parc, c'est costaud, mais c'est là un bio, c'est un peu plus costaud, ou l'île Long, c'est un bio, comme ça, je connais quelques derby comme ça, c'est pour ça, il faut préparer tout ça. Il y a tout le monde qui sera derrière nous, mais il faut peut-être jouer encore un mieux. Je suis optimiste et j'espère tous ensemble on va fêter ça, mais c'est pas gagné encore. Merci coach. Vas-y. Salam alaikum, Adil Rahmani, Idaat Medina FM, le موقع Match Press. Si Wahid, on a vu que la مباراة ديال الذهاب تختلف تماما عن مباراة الإياب. خاصة لا في الطريقة ديال لو سيستيم دو جو ولا التكتيك تبين على أن المباراة الأولى رغم أن الخصم الكونغو الديمقراطي ما بانش ذاك الخصم اللي كنا يمكن عطيناه قيمة أكثر في الملعب ديالو في الوقت اللي كان ممكن المنتخب الوطني لو كانت الجرأة الهجومية ناجعة كان ممكن أننا نفوزوا ونرجعوا بانتصار من الكونغو كيفاش غادي تولف التشكيلة اللي غادي تكون غدا إن شاء الله واش غادي تعتمد على نفس العناصر اللي كانت في المباراه ديال الذهاب خاصه على المستوى الشق الهجومي اللي كان شويه حتى دخلتي جوج ديال العناصر عاد عطاو الاضافه للخط الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي مسيره انا جوي 6 ماتش كواليفيكاتيف pour Coupe du Monde à domicile et ben ça a été plein réussite on avait même quelquefois changé le système On se permettait, même pour le match officiel, c'est changer le système, il y a pas mal de choses. C'est pas le système, c'est plein de jeux, animation, c'est ça important. Vous savez, avec chaque match, chaque joueur, il a son rôle défensif et son rôle offensif. Bien sûr, pour défenseur, c'est un peu différent, pour milieu, différent, pour attaquant, c'est un petit peu différent. On était à pleine réussite, vous savez, victoire avec largement dominé, bon jeu, efficacité, tout ça. Là, c'est barrage. Là, il y aura beaucoup de monde, pression énorme. Les gens sont inexpérimentés pour faire ce type de match. Ça veut dire, préparation psychologique, c'est très important. Après, match tactique, chez moi, comme je dis déjà, il n'y a pas 11 titulaires indiscutables. Il y a presque, je pense, même pendant le cas, j'ai utilisé 22 joueurs. C'est blessure, manque de forme, quelque chose ça va pas, ou tactiquement complicité, complémentarité dans le jeu, devant, derrière, comme ça. Dans ma tête, il y a encore un petit peu de sur un du joueur qui peut jouer et comme ça, qui ne va pas jouer dans l'après-midi, dans la soirée. Il y a encore un petit peu réflexion, voir, discuter. Mais il faut préparer l'équipe psychologiquement, et tactiquement, et techniquement. Mais je vois chez les garçons une détermination. On se connaît maintenant. Je vous ai juste regardé et retour, feedback entre notre regard. On se comprend maintenant comme ça. Ils savent qu'est-ce que je demande. J'ai plein de confiance en ces garçons. Et ben, c'est une génération qui s'est construite il y a presque un an. Il a une chance unique. Allez, je Coupe du Monde. C'est Coupe du Monde, vous savez, c'est pas vrai. Ça, c'est si tu as
comme joueur, si tu ne joues pas Champions League et surtout Coupe du Monde, tu as raté presque ta carrière. Et pour ça, je le parlais. Je connais Issa, comme joueur, comme entraîneur, tout ça. Et ben, j'essaie pour eux. Lui, ben, ça, c'est mon cadeau à vous. Et je pense qu'on s'est bien compris vis-à-vis ça. Merci, coach. Au revoir. Bonjour, bonjour coach Wahid, bonjour Naïf. J'ai une question pour Naïf Akar. Vous étiez là présent lors du sacre de l'équipe nationale des locaux de la CHAN. Maintenant, tu es parmi une équipe nationale senior. C'est un rêve d'enfant de participer à une Coupe du Monde. Quel est l'état d'esprit autour du groupe, au sein du groupe? L'armée française. Salam alaikum Bida. C'est vrai, le match est comme une chale. Quand je joue à Khayelia, en Casa qui compte je m'en occupe. Je joue à Aosk Montachab. Là, dans le match Loul, c'est un match raté. Afin de finir chez Ziani, il y a un bête Chéda. Afin de finir chez Ziani, il y a un bête Chéda. Personnellement, bien sûr que c'est un rêve d'enfant. Qui m'a gagné le Madrid, le match de Champions League ou le match de Coupe du Monde, ma grosse carrière ratée, ou qui compte à quelque chose de la carrière d'hier. Donc, je vais vous donner tout ce que je vais faire pour le chef de mon rêve. Super, Naïf. Nadi ? Bonsoir, Betty Foudi 2ATV, ma question pour Naïf. Alors Naïf, demain on joue à domicile, on doit marquer et surtout ne pas concéder de but. Pour vous les défenseurs, est-ce que vous vous êtes bien préparé mentalement et physiquement pour cette ultime épreuve? Ah, déjà de 1, ma chère les défenseurs, ma chère Rabali Kilabullah ou le gardien, Farta Kamla, la Madef Anash Mjumouin. ما نقدوش ندافع الفوتبول موديرن اليوم فرقة كاملة أي واحد كيطلق كان يقدر يماركيو علينا أهداف غدا بيان سور خصنا نماركيو والحاجة لاعبين هنايا الناس جايين يتفرجوا سبيكتاكل باش يكونوا أهداف تكون واحد الفرجة ممتعة ولكن ماشي نابورت كومون ماشي نعطاكيو كاملين باش ماركيو وفي الاخر يتماركعنا هدف اللي قد يبعث الاوراق ديالنا كما كنقولوا دونك غدا خصنا نكونوا كونسونتري حنا الاولين لي ديفونسور ومن بعد نديروا اللي علينا نتقاتلوا نحطوا رجلينا كما كنقولوا وان شاء الله يكون خير. Bonjour tout le monde, Zine Belbari, la chaîne sportive Riyadia. Donc coach, vous avez certainement fait une lecture de l'équipe adverse et du match aller. Les conditions ont changé, oui, mais l'équipe du Congo ne va pas venir nous offrir un cadeau. Donc ils vont chercher aussi la qualification. Comment vous allez procéder? Comment vous allez les arrêter? Il ne fait pas faire cadeau, vous savez, pour eux, c'est un rêve. Rêve aller au Coupe du Monde, je pense depuis 50 ans, ils n'ont pas allé au Coupe du Monde pour là-bas. On était là-bas, on a ressenti un engouement énorme là-bas. Ce n'était pas pour nous, un petit peu sur cet élément, être concentré, déterminé et comme ça. Je sais, ils ont une bonne équipe, surtout pour l'attaque. Ils ont quelques joueurs qui n'ont pas joué pendant 12 ans, ils ont venu juste exprès pour jouer cette qualification. Très bon joueur surtout sur bon attaque. C'est un garçon qui a marqué le but. Bah, il a marqué le premier match contre Maroc il y a presque deux ans, même dernier match aussi. Ça veut dire que ça ne marche pas du tout facile. Comme dit Naïef, il faut rester toujours organisé, concentré, déterminé. Si tout le monde y part à attaque, on peut avoir ces 5 cartons. On sait comment ils vont jouer, on sait parfaitement bien. Tous les petits détails, on a analysé, on sait expliquer, en processoire, on sait parfaitement bien.
ces deux trois fois, ils ont eu cette possibilité de contre-attaquer parce qu'ils remontent très vite le ballon, surtout un petit peu sur le côté où le joueur de derrière il plonge le premier ligne qui crée un petit peu la possibilité pour aller jusqu'au bout. On sait parfaitement bien qu'on est à vigilant, bien organisé, déterminé. Et c'est que, qu'est-ce que de temps en temps que je suis un petit peu, c'est pas content de me jouer, la communication. Là, il nous manque un petit peu de temps en temps. Ça veut dire que c'est un match très difficile, mais c'est un match barrage. Pourquoi ils ont là, ça veut dire, ils ont la qualité, comme nous aussi. Mais à domicile, ça c'est notre avantage. Sur le terrain, je connais un petit peu ce terrain, c'est un terrain, un bon terrain qui est très rapide. Peut-être ça nous conviendra beaucoup, beaucoup mieux comme ça a été match aller. Merci coach. Eddie. السلام عليكم نبيل بشكرون غير الفهم السؤال ديالي لنايف نايف بزاف ديال اللعبة معاك ما سبقش يوم لعبوا في دورو ما سبقش يوم عاشوا أجواء ديال دورو شنو الفكرة اللي واخدين على الجمهور ديال كازا والجمهور ديال دورو وشنو لو ميساج اللي كتوصلوا لهم نتوما كلاعبين اللي سبق لكم عاشوا الأجواء وشنو الطريقة غدا اللي ربما غادي ديروا باش تحولوا الضغط الجماهيري الكبير اللي تعرفوا مزيان إلى حافز لكم أجل التأهل إن شاء الله اللعابه كيشوفوا فيديوهات زعما الجمهور في ملعب هنا ديال دونو عارفين كيكون واحد لومبيونس لي فانتاستيك قبل ما نلعبوا في كازا عارفينها كيهضروا عليها انا نقول سي امبريسيون بوزيتيف حيت اليوم ماشي فقط اللي لعبه ماشي رجاء الوداد لي فار اليوم منتخب مغربي دونك حنا عارفين غيكونوا معنا غيدفعونا من الاول الماتش حتى الاخر باش في الاخر الفرحه تكون مغربيه ولي ميساج اللي كيوصلونا من عند الجمهور مايمكنش نجاوبو كلشي ولكن مايمكنش كيبينو انهم غيكونوا هنايا الناس اللي غيجيو تيرانا يعاونونا ولكن حتى في الشوارع المغربيه كبرت في المغرب نهضر على مدينتي في قنيطره كنت كنشوف الاجواء اللي المنتخب كيربح دونك واعيين بالمسؤولية وفيما تلبي الأهمية ديال هذا الماتش كنتمنى من الله الفرحة كاملة إن شاء الله. هاي كيستيون دايير. محمد تويجر من الإذاعة الوطنية سؤالي موجه للسي وحيد وغيتركز على مركز حراسة المرمى اللي عبر التاريخ كان عطانا اطمئنان عارفين ثلاثة ديال العناصر يعني متميزة لكن تفاجئنا قبل يومين بتوجيه الدعوة للمهدي بن عبيد سون ديفوالي لي ريزون اللي خلاو سي وحيد انه يوجه هذه الدعوة كتعرفوا سي الاعلام تبحث دائما عن الاسباب واش من اجل انك تعطيه فرصة ولكن شي اصابة ولا تراجع في المستوى ولا كيف شكرا شوشي توجور بيتي بيت بوسي توجور يا دي بروبليم C'est Reda, il a senti un petit peu problème, une petite blessure, vous savez, quand il est comme ça, bah, il ne faut prendre aucun risque, on ne sait jamais. Et pour ça, le gardien il est déjà sur la liste présélectionné. Je regardais deux derniers matchs, je ne connais pas avant, maintenant il mérite cet appel, surtout que Anas Niti est encore blessé. Et pour ça, je l'ai appelé pour ne pas avoir aucun problème. Vous savez, il y a même trois joueurs de plus de cette groupe qui travaillent ensemble. Ça, je peux imaginer, dommage, un gardien et trois joueurs mettre un peu sur le côté. Je sais comment ils seront très tristes. Très tristes, mais je dois parler à chacun pour encourager un petit peu, qui dit qu'il partage avec nous cette joie. C'est une scène. Ces qualifications pour Coupe du Monde, c'est une étape footballistique, mais une étape aussi aventure humaine. Vous savez, vous venez là-bas, les gens rigolent, ils chantent, quand on tombe chaud, l'ambiance est bon. Eh bien, écoutez, j'espère que tout le monde sera récompensé demain après ce match, et surtout, je rappelle à tout le monde qui vient en stade, que soutenir l'équipe jusqu'au bout. Il y a pas mal de gens joueurs, peut-être ils sont un petit peu stressés, même s'il y a préparé comme ça, mais quand ils jouent 60, 70 ou je ne sais pas, 80 000, ce n'est pas toujours facile, c'est un stade, je le connais.
je connais et j'essaye un petit peu de le rassurer vis-à-vis de ceux et tout le monde qui rallie là-bas. Il faut derrière l'équipe 100% et après tous on va fêter cette qualification. C'est beaucoup, coach. Bonjour coach Naïf, Amil Amili du journal Le Matin. Vous avez dit vous-même que les Marocains étaient très passionnés de foot, tout le monde est sélectionneur, tout le monde est entraîneur. Même vous. Oui, moi aussi, en premier. Et au complexe Mohamed V, les gens sont souvent très passionnés, la pression elle est souvent sur l'adversaire, du moment que l'équipe attaque. Mais est-ce que vous avez dans votre tête l'éventualité que cette pression se retourne contre l'équipe nationale et quelle serait la solution à cela? On va peut-être entendre des noms qu'on ne peut pas citer ici. Vous connaissez, il y a 25 ans, j'ai entraîné un club là, mais il avait pression aussi énorme. Je connais un petit peu après 5e minute, ils ont retourné contre nous parce qu'on n'a pas marqué le but. Mais ça, je dis aux joueurs plusieurs fois, attention. Mais si vous ne se battez pas, si vous ne jouez pas bien, ils vont vous siffler. Pour ça, je vais un petit peu dommage, besoin. Et qui siffle, va y battre. Je dis, mais continue, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien protéger mes joueurs. Et je prépare particulièrement ça. Mais quand il y a ambiance comme ça, je sais qu'ils vont donner pas 100%, 101%, même plus. C'est sûr, c'est un. Je connais maintenant chacun individuellement comme ça, ils ont tous, j'ai fait hier entraînement le garçon, on a fait deux groupes différents, le garçon qu'ils n'ont pas joué, ils jouaient un petit peu, comment ils se montraient entraînement, tout le monde est candidat. Et je vous dis franchement, pour faire choix, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas un joueur, il y a 21 joueurs qu'ils ont mis candidature réelle pour demain. Pour ça, il faut qu'on soutienne demain notre équipe. Merci beaucoup, coach. Ismaël. Ismaël Sfraoui, chaîne Actu. Bonjour, coach Vahid. Après avoir raté le pénalty à Kinshasa, est-ce que vous faites toujours confiance à Ryan Maï d'être le tireur, peut-être principal des pénaltys? Maintenant, c'est moi qui va tirer le pénalty. Hein. Je sais, je vais marquer. Ça, c'est sûr, c'est certain. Écoutez, j'ai rien à dire. Vous avez dit, tout le monde, là, même si Maradona est raté, ça arrive tout le monde. Il avait deux tireurs. C'est lui, Lusa. Lui, il a choisi le ballon. Il a comme ça. C'est pas un, deux. C'est lui qui l'a choisi. Il a raté. Mais j'étais plutôt mécontent de son présentation comme cette raté. Hier, je parlais avec les garçons que je vais rassurer un petit peu comme ça. Après, est-ce qu'il va tirer? Ça, c'est, on verra. Vous allez voir. Merci, coach. Anis, on peut peut-être la question. Bonjour, coach. Je suis Anis de A24 TV. Demain, on n'a pas le droit d'erreur. C'est chez nous, c'est à Casa. Le message n'est pas une question, mais on est derrière vous. Et bonne chance pour demain. Merci. 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 Je partage votre optimisme. Mais vous savez aussi, comme entraîneur, je connais un petit peu le football. Vous voyez, il y a quelques jours, champion d'Europe, qui s'appelle Italie, à domicile. Contre un pays, petit pays d'ex-Yougoslavie, il y a 2 millions à vous. Ils ont gagné là-bas. Au football, tout est possible. Mais j'espère que ça n'est pas à nous. Je suis optimiste pour vous et pour ça, Dima Dima Maroc. Merci, coach. Redo, après, maintenant, deux dernières questions. Bonjour, coach. Bonjour, Naïf. Je sais que aujourd'hui, demain sera un match historique pour le Maroc. Je sais que le match à Kinshasa n'était pas facile, quelques jours après. Alors ma question, la première s'adresse à Nef, la deuxième s'adresse au coach. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous pensez au match de demain? الماتش الاول ما بغيناش نخلقوا واحد الاعذار، لكن حنا عارفين ان كنلعبوا
في افريقيا ما تمشي سهلين ما نقولوش التيران خايب ولا كل جو ولكن صراحه هادشي اللي كان يمكن حاجه وحده اللي نقدر نقول لك هو لونفي كانت حتى شي لاعب ما شفته كيغش ولا ما باغيش يعطي 100% للفريق الوطني. غدا انا كما قلت لك باش نرجع للسؤال ديالك كنفكر نربحو وكما قلت لك نفرحو كلشي ما باغيش نفكر في حاجه اخرى من غير نربح ان شاء الله. كوتش عيد L'apport psychologique est très important lors de ce match. Quel est votre discours aux joueurs ? Préparer un type de match comme ça, c'est... Pardon. C'est toujours ce plan psychologique et tactique. C'est très, très important, chaque petit détail. Après, je compte beaucoup sur le soutien du public qui sera là. Très présent comme ça. Et vous savez, ce travail psychologique, ça ne durait pas un jour, un discours. C'est chaque jour, je donne quelques bonnes paroles de confiance. Au départ, je dis franchement un petit peu mécontent. Au départ, premier jour, j'ai eu un petit peu le même. Autrement dit, un petit peu critique. J'ai demandé, ils ont même regardé. Un match tout seul joueur à partir de 10e minute pour regarder un petit peu les choses, je n'étais pas content. Et depuis hier, aujourd'hui, c'est déjà, il faut positif, il faut rassurer le joueur, donner confiance. Si moi je peur, ils vont peur aussi. Et moi, c'est Denis qui avait peur, c'est vaillé. Pour ça, je donnais cette confiance, il transmet cette ces messages de confiance, de détermination, mais l'autre côté aussi, ils vont, comme dit mademoiselle, madame, ils vont peut-être pas faire le cadeau. Il faut chercher ces cadeaux, et pour eux, et pour ses proches, et pour tout, surtout pour le peuple marocain. Pour ça, il faut chercher et donner, et faire le meilleur match qu'on a fait, match aller. Allez, Denis. اهلا امين كوتش نيف اكرك رشيد محمودي صحفي عن موقع الدار. سؤالي هو مؤخرا يعني كما شفنا زيزولي خلال الحصص التدريبيه كانوا حصص تدريبيه اللي يعني الحديث عن الوضعيه الصحيه ومدى استعداد اللاعب زيزولي يعني سمعنا مؤخرا وشفنا ان كان هناك تدريبات خاصه واستثنائيه للاعب واش غادي يكون بين الاعمده الاساسيه لهذه المباراه الحاسمه. J'ai déjà expliqué avec Abdel cette situation pour là-bas, il ne s'est pas beaucoup tenu sur le terrain synthétique, s'il y a un problème d'inflammation de genou, de rotule qui est un petit peu enflammé et pour ne pas provoquer des blessures plus graves comme ça, il était un petit peu épargné de cet exercice sur le terrain synthétique. Là, il se traînait normalement, il est parmi les candidats, mais pour Abdé qui est juste arrivé, ça c'est, j'ai discuté avec lui, préparé, ça c'est jouer pour l'avenir, c'est un garçon qui a 20 ans, il faut pas se presser avec lui, mais c'est un garçon qui a beaucoup de talent individuel, un joueur qui un jour ont besoin, et il est très fier là, très content. Bizarrement, il s'est très rapidement acclimatisé. Il a commencé à même chambrer moi, un petit peu rigoler avec moi. Il s'est acclimatisé peut-être trop rapidement. Merci beaucoup, coach. Merci. Merci.